Schmerling a non seulement rendu de grands services à la géologie, à la paléontologie, mais il a été par ses travaux un savant éminemment utile à l'histoire des temps primitifs, à la science des idées, à tout ce qui intéresse l'homme et la société. Philippe Charles Schmerling était très savant en anatomie. Il avait étudié cette science à La Haye auprès du docteur Derimer, qui possédait une collection célèbre de pièces anatomiques et dont le cabinet passait pour mystérieux parce que l'on y était admis à voir les squelettes qu'à la lueur de bougies. Le 17 octobre 1821, Schmerling épouse Sarah Henriette Elisabeth Douglas, qui lui donnera deux filles. À Liège, Schmerling suivit des cours de médecine à l'université que l'on venait d'y créer. Sans un bonheur inattendu, sa vie se serait écoulée, modeste et ignorée de tous. Un pauvre ouvrier des carrières de Chauquier étant malade, Schmerling va dans sa cabane. Surpris de voir les enfants de cet homme jouer avec des os aux dimensions et aux formes extraordinaires, il les interroge. Le père lui apprend que la carrière mettait à découvert un nombre considérable de ces os. Le pauvre homme ne trouvait à cela rien de remarquable, c'était, disait-il, un ancien cimetière de la commune. Mais son docteur, Schmerling, lui demanda de conserver tous les ossements qu'il découvrirait avec ses compagnons. En attendant, Schmerling emporta les ossements qu'il avait trouvés dans la cabane. Il y reconnut aussitôt des ossements fossiles du plus haut intérêt. Schmerling n'eut dès ce moment plus un jour de repos. Un grand nombre de ces cavernes étaient inconnues aux habitants des environs, qui n'avaient même jamais eu l'idée d'y pénétrer. On raconte que jadis, ces grottes servaient d'habitation à une espèce humaine d'une très petite taille, les sautets. Ces minuscules personnes restauraient tout ce que l'on déposait à l'entrée des grottes en échange de provisions. En très peu de temps, ils réparaient les objets endommagés et les remettaient à la même place. Mais on raconte que, un jour, quelqu'un leur offrit un pain vide, sans mie. Il ne restait que la croûte. Les sautets, indignés de cette tromperie, quittèrent le pays à tout jamais. Il m'a paru convenable de décrire chaque caverne en particulier. Qu'on se figure Schmerling se laisser glisser le long d'une corde attachée à un arbre jusqu'au pied de la première ouverture de la caverne d'Angis. Ayant pénétré dans la première galerie souterraine, rampant sur les mains et les genoux, dans un étroit passage menant aux grandes salles, là, à la lueur des torches, fouillant pendant des heures les pieds dans la boue, la tête sous l'eau qui suintait des parois, afin de noter la position et prévenir la perte du moindre os isolé. Schmerling reconnaît aux ossements excavés dans les grottes des signes de la plus haute ancienneté. Assurément, ces vestiges proviennent de races perdues, éteintes lors des cataclysmes anciens. Une collection de fossiles aussi abondante que celle que je possède aujourd'hui est, il faut l'avouer, un succès inattendu obtenu en si peu de temps. Dans la caverne de Chauquier, j'ai trouvé ours, hyène, rhinocéros, éléphant, cheval. Vers le fond de la grotte, ours, loup, renard, cornes de rennes du genre cerf, dents et ossements de différentes espèces de carnassiers. Des dents de vespertilion, des ossements fossiles de hérissons, de musaraignes et de taupes.
on conçoit combien il est difficile de recueillir les os d'une aussi petite dimension que ceux d'une patte de renard. Surtout lorsqu'on est obligé de faire ses recherches à l'aide de la bougie, dans une terre souvent de la même couleur que les ossements et qui est remplie de petites pierres. Les cavernes de notre province ont fourni à la science les moyens d'éclairer le passé. Ainsi, de nouvelles espèces animales sont sorties du néant. Entrez. Et les humains. Pouvons-nous parvenir à connaître l'âge de l'espèce humaine? Ces restes, trouvés dans quelques cavernes, datent-ils de l'époque à laquelle ont été détruits l'éléphant, l'ours, l'hyène et autres espèces disparues? En abordant cette question cruciale, nous avouons que nous ignorons complètement l'époque précise où l'homme apparut sur le globe. Ici, la science nous abandonne. Nous nous perdons dans la mythologie. Remarquons que nulle part dans son ouvrage, il ne cite les textes sacrés. Entrez. En l'année 1833, je traversai Liège pour aller au Rhin, et je causai avec le docteur Schmerling qui me montra sa magnifique collection. Regardez. Ces vestiges nous obligent à corriger notre ligne du temps. Il est impossible que l'homme soit apparu quelques siècles seulement avant l'histoire connue. Ces ossements humains sont bien plus anciens. Je lui exprimai mes doutes au sujet de sa théorie sur l'ancienneté des fossiles humains. En fait, je n'attribuais pas à ses travaux l'importance qu'il méritait. Ma seule excuse, c'est que sa découverte contredisait toutes les investigations antérieures. Je ne l'ai pas cru. Je suis conscient de l'importance des faits que je soumets au jugement des géologues. Mais je ne dévierai point du chemin que m'a tracé l'expérience. Seuls les faits peuvent guider notre exploration à travers notre passé le plus lointain. Nous voyons, planche 4, figure 4, une portion de fémur d'ours d'un individu jeune. La partie malade présente les caractères d'une fracture oblique. Il est certain que cette fracture n'a pu se consolider faute de repos, et que l'individu qui a été atteint de cette lésion a dû se traîner le reste de sa vie sur trois jambes. J'ai fait représenter sur la planche 38, figure 7, une vertèbre lombaire de loup fossile qui offre un état morbide, c'est-à-dire que la surface de son corps est inégale et qu'à son bord antérieur, elle porte une arête saillante, inégalement dentelée, et la face antérieure offre les traces d'une carie. Il avait reconnu des fractures, des caries, des nécroses et, chose plus singulière, des os rachitiques. Or, la médecine a tâché d'expliquer le rachitisme par l'usage de boissons chaudes comme le thé, le café et par l'abus de pâtisseries. Depuis 1834, il souffrait de la poitrine et du cœur. L'assiduité de ses recherches,
les courses qu'il était obligé de faire très rapidement auprès de ses malades, et la fatale habitude qu'il avait contractée de travailler depuis 9 heures du soir jusqu'à 3 heures de la nuit, au milieu d'un nuage de tabac, avait miné sa constitution. Au mois d'août 1836, alors que sa femme était internée depuis des années pour démence, il alla à Strasbourg pour voir ses deux filles, mais il en revint plus mal que jamais. Avoir jeté une étincelle de lumière dans la nuit des conjectures. Schmerling a non seulement rendu de grands services à la géologie, à la paléontologie, mais il a été par ses travaux un savant éminemment utile à l'histoire des temps primitifs, à la science des idées, à tout ce qui intéresse l'homme et la société. Après toutes ces années, j'ai dû me rendre à l'évidence des faits. Schmerling avait raison. Les ossements humains trouvés dans les cavernes sont contemporains de ceux des animaux avec lesquels on les rencontre, bien plus anciens que tout ce qu'on avait pu imaginer. L'étude de nos origines est une cause vraie. Elle détruit les opinions fausses. Elle élève nos idées au-dessus de toutes les petites passions humaines. Elle nous conduit à l'essentiel des choses.